Mardi 14 août 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la caboune capable pour la deuxième sortie téléjournal pour semaine ainsi là. Mes principaux points qui ont fait essentiel dans le journal pour une fois qu'on a la direction départementale l'OS DDO a annoncé le lancement opération boucle la rue qui devait contribuer à renforcer la sécurité en le pays. Il y a 3000 policiers qui sont mobilisés pour le département l'OS là. Première dame République Martine Moïse visité week-end qui se passe là Doriska Camisile qui a accouché 4 timons dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs Incarnation dans la commune Tabac. Première dame promet pour les soutenir famille si là. Président République la Jovenel Moïse qui était bien le ministre agriculture ressources naturelles et développement rural démissionnaire agronome Jobert en grand visité bloc plantation d'Irine dans Vallée la Tibonite dimanche 12 août passé. C'était occasion pour chef l'État assister à récolte d'Irine qui t'a fait dans Vallée. Session extraordinaire, examen baccalauréat a commencé lundi 13 d'août là, il y a pas bout 17 d'août cap venu là, et la vie était composée hier en philosophie et en biologie. Voilà l'hôpital communautaire, yo, référence défi qui gagnait pour bail soin à quel travail à faire pour répondre à quel besoin parce qu'il qui était fréquenté centre médecins sans frontières. C'est pour ça qu'on a campé l'autre qui était en mi-temps en discussion dans l'occasion 52e conférence lundi de la presse qui déroulait le ministère communication. Voilà, ensemble pour ça qu'on a campé l'autre après. On fait essentiel le journal là pour maintenir dans peu de temps quelques secondes. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans l'information. Jean-Claude t'a annoncé le lancement titio. N'a pas démarré pour nous faire qu'on a mis une président de la République, la Jovenel Moïse, qui était bien clé, ministre de l'Agriculture, ressources naturelles et du développement rural, démissionnaire, agronome Jobert Engrin, visité bloc plantation du riz dans Val d'Artibonite, dimanche 12 d'août passé. C'était occasion pour chef l'État assister aux récoltes du riz qui t'a fait dans Valéa. Président Jovenel Moïse félicité 1700 planteurs qui mettaient tête ensemble, capables de réaliser le travail. C'est le reportage Saint-Croix qui a Chris tous. Duri Sayo qui a récolté dans bloc 6, localité Kova, dans Vallée la Tibonite, c'est réalisation de travail 1700 planteurs qui prêtent l'argent à travers coopérative production agricole de Châtel, dans facilité au produit plus du riz dans Vallée. A. Une initiative, président républicain Jovenel Moïse applaudit, qui remet planteurs yon lot matériel agricole pour couper avec vendre du riz, pendant les promettre pour continuer à accompagner planteurs dans renforcer l'agriculture dans le cadre de changement. Moi là avec planteur dans Vallée la Tibonite, moi là avec planteur dans bloc 6, un mouvement que nous créons de toutes pièces, nous gourmets pour nous mettre planteur chita ensemble. Parce que je nous connais ça dit dans le pays, on haïtien son cassage seulement, il y a acheté à deux, parce que nous séparons le chaque pombo. Je dis à me penser que les gens qui te dit ça, dans le bloc 6 là, au pape Kadil encore, parce qu'il y a 1700 personnes qui mettent tête ensemble, qui fait aujourd'hui à nous réaliser ça, réaliser là. 1700 haïtiens qui mettent tête ensemble. L'État, bah, y a encadrement qu'il faut. Y a même, y a pas tant de monde qui vient faire œuvre pour eux. Y a dépensé dans poche plus passé 24 millions de goudes. L'État vient en accompagnement à travers le ministère de l'Agriculture. Il y a accompagné je crois j'ai un rapport que le ministre a fait dans le niveau 17 millions de gouttes. Je dis à vous dépensé pour faire 500 hectares pour le travail là. Entre ça, l'État encadré et vous-même, ça vous mettez, vous dépensez presque 43 millions de gouttes. D'après la première information que nous avons, nous avons parlé de 4 tonnes du riz et demi. Pour récolter là, je ne sais pas pourquoi, mais nous pouvons comprendre bien ça. Ça veut dire, longtemps nous avons fait 3-4 tonnes par année. Dans le récolte ça, côté on met tête ensemble. Yo baille terre, quantité en grève pour yo baille, quantité de l'eau pour yo baille, yo arrivé dans la première projection que yo gagne, il a parlé de 4 tonnes et demi pour un récolte. Et non année, valait à qu'on fait 2 récoltes et demi
jusqu'à 3 récoltes, ça dépend de la quantité de l'eau. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural là, agronome Joubert en grand fait connaître, ministère a dirigé pour permettre planter yo bénéficier plus engrais et puis renforcer ODVA. Deux machines que nous sommes qui travaillent là, non seulement ils permettent pour nous économiser temps, mais tout la permettre nous permettre de plus travail qui fait dans la vallée. Mais ça sentiment parce que non seulement nous pas le travail sur engrais. Un grain pour capable permettre non seulement moun yo joindre les prix joindre mais tout pour capable joindre dans prix qui bon pour yo restructurer ODVA pour capable permettre que li bail service là tout le Bali parce qu'il pas normal pour nous capable gagner 50000 hectares nous pas non seulement nous pas capable purer canaux nous pas capable mettre droit à disposition moun yo donc n'a travail pour restructuration ça fait tout de suite. Heureusement Pina, qui te prend la parole dans nos plantes, remercie le président de la République, Jovenel Moïse, pour machine agricole sa yo, cap utile dans la vallée. Nous vous remercions en pile, président. En pile, merci trois fois. Chaque fête aujourd'hui, son miracle. Pas de monde pense que nous arrivons dans une situation ça, pour nous des machines qui viennent récolter, vanter du riz pour nous. Renforcement bloc plantation du riz, c'est une idée chef l'État nourri pour bailler 270 000 tonnes du riz pour année. Dans le même sens, le président Jovenel Moïse a annoncé travail, irrigation et construction de route agricole après poursuivre dans la vallée de la Tibonite. Merci avec le collaborateur de cette COPA qui t'a présenté nos reportages si la NAP qui t'a évalué la Tibonite là. Nous prenons dans le département nord pour nous faire connaître le magistrat commune Saint-Louis du Nord, Gaston Estima, exprimé contentement par rapport à divers projets qui ont réalisé dans la commune dans le cadre de 40 changements. L'ICOE travaille ça auprès de la bénéfique pour la population. Reportage Richard Tonjoudan, Pems Jean-Baptiste. Construction yon pont sous rivière bas ak yon médiathèque, c'est quelques parmi notre projet gouvernement a réalisé dans la commune Saint-Louis du Nord dans le cadre caravane changement. Pour pont, travail yon déjà réalisé à 90% d'après magistrat Saint-Louis du Nord, Gaston Estima. Pour premier citoyen commune, lui fait connaître, il était seulement béton qui pour couler sous lui, alors que médiathèque là, Bosque qui sous chantier a travaillé à grand pas pour comment yon ka fini a travaillé avant longtemps. Magistrat Gaston Estima, bat bravo pour Ponsa qui va desservir plusieurs sections communales. À médiathèque là qui va permettre jeunes de jouer un espace pour mener l'activité culturelle. On peut commencer depuis 5 ans écoulés, mais avec l'arrivée du président Jovenel Moïse et chef cabinet Wilson Lalo qui essayer de faire tout ça possible, tout ce que le vibe est comment pour ça capable de finir journée aujourd'hui. Soit garder bien, ou après un pile effort faire pour exproprier le monde qui était sous côté à table des problèmes en pile, il fin exproprié et maintenant, ou après, il fin faire ferraille pour avancer à cheval. Il y a une médiathèque qui a construit plusieurs bandes béton qui a fait à travers la commune. Moi, quoi que, et commune Saint-Louis du Nord a senti aux anges. Magistrat Gaston Estima, tu parles de l'autre projet, il a déjà réalisé dans la commune, là, tant que bétonnage ou sous-fort, pendant remercier le gouvernement pour l'initiative ça. Puis, il faut zone sous-fort est en bétonné, quelques petits côtés qui sont encore bétonnés, c'est la terre où ils ont dit, comme Mendou déjà, il est toujours là, il a cherché, il a fait deux matchs, il n'a pas dormi, il est nous à tout bon moment. Il y a un petit pont, passerelle qui parle faire tout, avec accompagnement sénateur Louis toujours, qui toujours rencontre nous-mêmes comme magistrat Kazek, pour dire ça, pas arrêter comme ça. Le projet Sayo qui est entré dans quatre caravanes de changement, c'est une stratégie gouvernement qui vise la commune Saint-Louis du Nord et notre visage, et puis faciliter la population à fonctionner comme ça doit. C'est sur extraordinaire baccalauréat a commencé hier lundi 13 d'août là, la bout 17 d'août cap venu là, et les filles composé dans philosophie et biologie pour journal lundi un reportage d'Alindo Rival avec Hervé Pierre qui était faut passer dans différents sites ça. Les élèves philo qui sortent dans diverses écoles dans Port-au-Prince composés dans des matières philosophie et biologie pour premier journée examen yo. Dans quatre visites plusieurs centres examen parmi yo, lycée Alexandre Pétion a lycée Fritz Pierre lui, quel candidat expliquait comment épreuve la terre pour yo. Examen pas tellement du non. Bon, nous dégageons nous parce que nous dégageons jeune chance déjà au banon l'autre chance. Bon, m'a fait tout moi possible pour passer. L'aime t'a composé pour me faire, moi pas attendre que me d'abord journée, c'est réussi que me d'abord réussi, mais justement moi je viens ma journée moi
et pour examen ça le 2 décembre moi-même pense que m'a fait moyen là quand même préparation en pile temps pour travail et ba résultat trop tard mais on travaille vous souhaitez un résultat positif dégagez moi c'est bien parce que dans premier examen nous t'ai gain exemple côté nous tomber nous connait ça que fait nous tomber on moi de quoi ma dégager ma c'est bien 12 salles de classe dans chaque lycée pour un effectif 30 élèves dans chaque salle ces déclarations censées des lycées ça yo responsable ça yo fait connait yo pas enregistré aucune irrégularité pendant premier jour examen yo nous gagne des sections là nous gagne section C nous gagne section D et 12 salles nous gagne là 7 section C 5 section D et après vous êtes très bien si mon yo pas plein pour texte là et ni pas plein pour les en tout yo te vini à l'heure et puis yo chercher salio et nous aider au chercher sal dans tout et pour ça nous là et puis yo rentrer normalement et puis examen commencer pas gain irrégularité parce que examen vini 8h30 pendant la fait réunion et examen est en vini attendre nous et nous commencer à l'heure et nous pas commencer ramasser tout de suite là n'a rappelé session extraordinaire baccalauréat a déroulé sur tout territoire national là sorti lundi 13 pour arriver vendredi 17 août 2018 là. Nous terminons Céline dans différents sites. Première dame, réplique la Martine Moïse, visité pendant le week-end qui se passait là. Doris Kakamisile, qui a accouché 4 timons dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs Incarnation dans la commune Tabor. Pendant la visite, la première dame Martine Moïse fait connaître l'État haïtien pour les soutenir. Famille Céline, on a pu vite suivre un reportage avec Daline Dorival et Pierre-Henri Duvigneau Hippolyte. Doris Kakamisile, c'est une dame qui a accouché 4 timounio dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs dans la commune Tabor. Dans ceci pour appuyer la famille Sila, première dame République Lamartine Moïse te rendit visite dans l'hôpital là pour te offrir le matériel pour petit bébé autant que cuvette, trottinette, poudre et savonnette. Accompagner famille ça qui gagne 7 timoun en total dans effectif li. Chaque fois côté gagne une femme qui gagne problème, côté gagne un monde qui gagne problème, c'est maman mien, nous toujours là pour venir pour soutenir. Camille s'il était un premier petit déjà, il fait 4 ensemble, ça veut dire que couler il gagne 5. Il gagne 5 timoun qui sous responsabilité li même avec Maril et yo tous les deux yo pas travail. Donc dans cas ça moi même comme première dame, faut venir pour porter support à yo même à ti bébé yo parce que là ou gagne problème faut capable aider yo parce que l'organe de au maman un seul coup il y a 4 timons que le pas prévoit il pas même te connaître s'il t'a pas le faire 4 timons c'est venir il vient accoucher il fait font premier le font deuxième il bien saisi le faire 4 parce que lui même il pas te connaître donc coulier il vient gagner 4 timons sous bras l'obligé joindre de support de l'État parce que l'État supposé aider parce que leur coulier Camille c'est 4 timons il pas pas prendre soin pour compte lui il pas prévoit ça mais il rivé et timons font yo vivre. Donc moi là, je voulais que Camille s'il connaît que Mavel, je voulais que Camille s'il connaît que première dame, c'est première dame parle, première dame là pour supporter elle et moi t'ai venu jeudi à la petite phrase sur pour te porter support. Permettre parents rejoindre un travail décent, c'est une principal objectif première dame Martine Moïse fixé tête li, ça qui va aider dans l'élévation timounio. Merci avec collaboratrice non Daline Dorival qui t'a présenté nos reportages si la direction départementale l'Ouest police nationale a annoncé lundi 13 août la opération boucler la rue qui a renforcé sécurité dans le pays. Porte-parole institution PNH là Michel-Ange Louis Jeune expliquait ensemble disposition qui prend pour empêcher individu mal intentionné attaquer paisible citoyen à cap mener activité. On peut vite suivre plus explications pour le département de l'Ouest, il y a 3000 policiers qui sont disponibles pour ça. Il y a 3000 policiers qui sont disponibles pour le département de l'Ouest. D'accord? Mais ce qui est plus important dans l'opération, c'est que vous pas seulement le personnel policier dans la rue sans pas gagner des gradés qui accompagnent. Et après toute unité spécialisée, il y a là. Et l'opération, il y a là 24 sur 24. Sauf différence là, c'est que vous avez remarqué la présence policière là beaucoup plus pointue dans l'heure de pointe. Parce que nous, mon pays, c'est, nous connaissons, c'est 8h, 4h. D'accord? Dans l'heure de pointe, vous avez la présence policière là les plus active que l'autre heure qui n'a pas trop activité. Mais toujours est-il, il y a bien des gens qui sont disponibles en cas où vous avez des bagages, que vous avez des gens qui sont disponibles pour répondre. Nous lançons une opération
boucler la rue pour qui ça nous lance opération ça parce que nous connaissons chiffre yo là même si nous pas parler des chiffres jodi là mais c'est parce que nous pas des chiffres n'attend période la finie peut-être n'a fait un bilan n'a qu'a dit où ensemble d'opérations qui étaient faites déjà yo opération nous lancer konya là qui côté nous sorti et qui côté nous y konya là mais c'est parce que chiffre pas là. C'est pas parce que chiffre pas là. Même quantité de plaintes nous te qu'on recevoir avant opération yo, yo complètement diminué par rapport à nombre de plaintes que nous recevoir qu'on y a là. Mais notre bord police nationale là annoncé qu'il y a ensemble musique prend pour capable gain plus bon contrôle sur activité qu'a fait la nuit yo. Commissaire principal Jean-Ismaël Auguste fait qu'on a une décision ça vient à cause de le monde qu'a plaint pour activité ça qui trouble la paix publique et puis finit trop tard dans zone côté faire là. On a invité suivre intervention Jean-Ismaël Auguste qui a porté plus explications dans micro Mimbre Emilia Sac Jean-Henri Robert Chéri. Nous n'avons pas aucun problème avec le monde qui fait activité, soit économique ou bien activité de loisirs, qui génère, n'est-ce pas, des sons. Mais la seule chose, c'est que mon limite, ok, n'est pas de l'effort du malade, cap nuit collectivité. Automatiquement, que vous dépassez la limite, là, ok, et eh bien, la police, normalement, a rappelé à l'ordre et laissé ou une faire une infraction qui relève trouble à l'ordre public. Organisateur, c'est sur ça que disposition pral appliquer. C'est que nous annonçons les dispositions. Vous voyez? Mais mon ami ne doit pas être de radio. Il ne doit pas avoir des chances pour t'étendre une séquence nouvelle qui fait le mention de ça. Mais le fait avant que l'organisé activité à l'île, si tu as parlé avec la police, eh bien la police rappelait la disposition ça qui prend dans l'intérêt collectif. Donc nous bien dit que organiser question genre d'activité, c'est bien, mais l'IPA doit déranger la collectivité. Donc il est tout à fait anormal, ok, pour que comme bon vous semble, et puis pour verser où dans une organisation anarchique de un ensemble d'activités qui entend déranger tout. La police pas seul acteur qui n'a pas réagi ou qui n'a pas agi dans ce sens ça. Vous voyez? Donc, s'il le faut que pour y cohésion, une concertation avec d'autres acteurs tels que la justice ou autre qui joue dans ce sens ça, et bien qu'il est vent au bras loin, gagner des décisions, n'est-ce pas, à tout niveau qui va de façon à ce que les décisions arrivent à l'esprit. Notre information dans le journal là, dans l'occasion 52e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 13 août là, directeur général ministère santé publique à population, docteur Lauré Adrien, qui était bien clé, directrice exécutive l'hôpital université l'État, docteur Jessie Colimon, conseiller technique ministère santé publique, Alix Laseg. C'était occasion pour responsable de parler sous vol l'hôpital communautaire référentiel, défi qui gagne pour baisser que travail a fait pour capable répondre à quel besoin patient qui était contre fréquenter l'hôpital Médecins Sans Frontières. On a pas invité à suivre un bout d'intervention dans micro Rachel Sefort à Calora David Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a trait à Médecins Sans Frontières qui était dans Delma 33, ça ne relève centre Couillot qui fermait. Je te connais recevoir des femmes enceintes, mais des femmes enceintes avec des problèmes particuliers de la grossesse, ça ne relève des complications de grossesse à haut risque. Je ne peux pas recevoir toutes les femmes enceintes qui sont dans le pays. Donc, nous avons une structure pour recevoir les femmes enceintes. Évidemment, lorsque nous recevons un malade à risque, pour prendre un malade en charge, il est tellement lourd que il est presque absorbé toutes les ressources qu'on gagne dans le système qui ne peut pas permettre qu'on offre un soin de qualité, même à des gens qui n'ont pas de gros complications. Ça nous fait, parce que je ne vais pas dans les détails, actuellement, nous sommes en train de renforcer. Et me peser sous moi, n'a pas renforcé capacité d'accueil maternité qui pipré couillot, c'est-à-dire maternité l'hôpital La Paix et service de pédiatrie. Nous commençons par deux services dans l'hôpital ça, premièrement parce que c'est eux-mêmes qui tout près, donc les gens qui étaient habitués à venir dans couillot, ils ont un réflexe pour traverser sous côté pour rejoindre soin.
Et l'en parler de renforcer capacité, c'est pas que n'a pas mettre plus cabane, n'a pas le fond l'autre plus gros l'hôpital, etc. C'est pas ça un plaisir. N'a pas agi sous personnel, là. Nous commençons à faire ça déjà. N'a pas agi sous accompagnement que nous comptons à l'hôpital, yo, en termes d'intrants et de médicaments. Et puis, nous n'a pas agi tout sous équipement. Moi, je crois que nous répétons déjà, et M. Sans Frontières dit le tout. L'IGE en partie dans l'équipement qu'elle était utilisé, que l'IGE mettait gracieusement à disposition certaines institutions, dont l'hôpital ça a bénéficié d'eux. Est-ce qu'il y a un service de pédiatrie hein? Actuellement, si vous allez dans le service de pédiatrie, vous allez voir que vous avez des travaux qui ont fait pour remettre en fonctionnement sans les services néonatologie qui pour occuper de timoun prématuré, timoun a besoin spéciaux que Médecins Sans Frontières de occupé. Pour deuxième structure, là, c'est Médecins Sans Frontières Tabar, vous dit qu'il a annoncé qu'il pourra le fermer en 2019. Là, pensez-nous commencer préparation un petit peu mieux, mal de pour qui raison hématologique, malade orthopédique et hématologique. Donc, déjà, semaine dernière, nous avons réunion avec personnel service orthopédie l'hôpital général pour nous connaître qui nous capable accompagner dans besoin en personnel, besoin en matériel, besoin en urgence d'Elma 2. Nous avons un service d'orthopédie l'hôpital général. Mais nous avons tout deux projets spécifiques. Youn, c'est construction, pour ne pas dire reconstruction, service d'urgence, l'hôpital universitaire La Paix. Et ça, discussion très avancée avec partenaires qui ont porté financement. Donc, dans un avenir pas très lointain, les travaux peuvent commencer. C'est-à-dire que nous pourrons le mettre en service d'urgence, refaire service d'urgence La Paix pour permettre que les urgences hospitalières capables de gérer là. Deuxième structure là, c'est l'hôpital de référence de Bon Repos. Ça n'est pas assez de Bon Repos. Hein. Côté que actuellement, les études sont en cours pour renforcer la capacité d'urgence l'hôpital ça, pour mettre un service d'urgence là-dedans pour capable prendre la plupart des cas qui viennent dans l'entrée nord capitale. Toujours dans le cadre de la 52e conférence, nous dit de la presse, directrice exécutive de l'hôpital Université de l'État, docteur Jessie Colimont, parlait sous ensemble problème qu'il y a fonctionnement de l'hôpital général. Les questions sont plus loin, docteur Colimont, faire ensemble recommandations pour consolider soin de l'hôpital là et puis répondre à cœur besoin de la population. On a invité à suivre. Toujours dans le courage, c'est fort. Sur le plan quantitatif, nous avons nous avons 400 lits. Comme ressources humaines, nous avons 269 personnels administratifs, 130 médecins, 232 infirmières et auxiliaires, 65 techniciens paramédicaux, 300 agents d'entretien, 72 agents de sécurité. Et comme son hôpital de formation, nous avons 166 résidents en formation et 115 internes. Donc, fonctionnement de l'hôpital là, basé surtout sur recettes internes. Parce que 80% du budget alloué par le ministère, c'est dans le salaire l'aller. Donc, qui pratique de soins, comment soins formés? Nous avons 19 services, okay, avec des services de base et de spécialité. Aux urgences, prise en charge là, gratis pendant 48 premières heures. Grand monde. Urgence pédiatrie, ouais, dans service pédiatrie. Urgence femme enceinte, ouais, dans service maternité. Donc, pour premier trimestre 2018, là, nous avons environ 7500 patients dans la clinique externe, parce que nous avons un service clinique externe tout, et nous avons interné plus de 1400 patients. Maintenant, qui satisfaction patient? Dans l'échelle de soins et par vocation de l'hôpital, là, qui submergé par tout patient qui vient de tous côtés, parce que l'hôpital général d'Olage et dans la culture de Pougon Timal tête, c'est l'hôpital général. Donc il faut que la population appartienne en pile de nous. Donc tout ce qui est pour une culture. Par exemple, si vous avez qui diarrhée, qui sont Carrefour, qui sont Delma, il doit atterrir l'hôpital général. Et pourtant, il doit prendre soin de l'autre côté. Donc, en même temps, l'hôpital général
l'accueil tout abandonné. Mon journaliste qui habitue à visiter, nous avons abandonné mon sans parents, mon démuni. Si vous joignez dans la rue, c'est l'hôpital général qui a mené. Et normalement, pour l'hôpital général, comme son hôpital public, il n'a pas le droit de refuser mon. Il faut quand même un premier soin. Dans la formation professionnelle, nous avons attente. Service, il y a une dynamique de fonctionnement. Donc, un projet de formation, il dépend quand même de projet de soins. Comment soins en bail. Donc, il faut que tout bagage ça marche ensemble. Soins et formation. Donc, il est important pour consolider offre soins pour répondre à besoins de population. Nous avons un problème pour accueillir les patients parce que nous avons un sous-financement chronique des soins. L'espace nous est très petit. Il y a des fois où on doit passer au malade à terre, mais c'est pas parce que nous méchants, c'est parce que toute cabane que nous avons déjà remplie. OK, sécurité physique et sanitaire. OK, une partie qui est déjà délabrée. A toujours été dans le ministère de la communication, vous le connaissez, c'est comme deuxième conférence SILA, et occasion pour conseiller technique ministère de la Santé publique à la population, Dr. Alix Laseg, parler sous reconstruction l'hôpital Université l'État. Changement cap gagné à niveau service et puis sous plan gouvernance là. Dans la même occasion, directeur exécutif unité technique exécution dans le ministère économique et finance, ingénieur Renol Poyo, expliqué travail. La reconstruction a pas avancé pendant les digues et en retard. Yon l'année dans la livraison. On a plutôt suivi un extrait. Toujours dans le micro Rachel Saint-Forac, Laurent Dali Jean-Jacques. Passé dans l'hôpital de 700 lits que le TIE à un hôpital de 500 lits à peu près. Pour qui sa réduction de nombre de lits d'hospitalisation? C'est parce que nous avons un concept nouveau dans l'hôpital général qui est un hôpital moderne. Concept nouveau, c'est que son hôpital qui pral bay en pile soins ambulatoires. Je pral faire ça relais des chirurgies de jour. Comme ça, je pral réduire au maximum temps d'hospitalisation de patients. Et si patients sont moins hospitalisés, pas aucune raison qu'ils auraient été couchés à l'hôpital là. L'autre aspect important dans le concept nouveau, ça, c'est que l'hôpital là pral équipé avec un plateau technique au maximum. Ça signifie que au monde pour entrer à l'hôpital là, il a fait toute bagaille pour vous dans le même jour. Il a fait l'examen laboratoire, il a fait l'examen radiologique traditionnel. Mais l'hôpital là a un scanner, a bien d'autres moyens techniques, a bien service d'endoscopie. Si bien que par le circuit de patients où Dieu est centré, je fais toute bagaille pour vous, concours à l'étranger. Et en général, on va sortir avec un diagnostic et puis un traitement. Sur le plan gouvernance, ça a changé. Premier aspect qui va changer, c'est que l'hôpital va être censé parler des médecins en permanence. C'est ça, nous avons la permanence médicale. Aujourd'hui, pour essayer d'écouter, je suis capable de dire que les travaux de construction de l'hôpital ont essentiellement avancé à, disons, 16%. Et c'est un système pavillonnaire de 10 bâtiments et avancement travaux ça y a, pour chaque bâtiment y aller de 69 à 80% indépendamment de qui bâtiment. Essentiellement, les travaux qui restent à faire, c'est des travaux voirie, réseau divers, c'est des travaux de finition en architecture, c'est des travaux de mécanique et des travaux d'électricité. C'est-à-dire la structure des bâtiments est quasiment achevée, donc ça veut dire que c'est l'autre facilité qui est nécessaire dans l'hôpital là et que y a mettre en place. Journal arrivé dans Boutli, me rappelle un titre qui était développé. Direction départementale l'Ouest a annoncé lancement opération Boucle Larry qui devrait contribuer à renforcer la sécurité dans le pays. Il y a 3 000 policiers qui sont mobilisés pour le département l'Ouest.
Première dame République Lamartine à Moïse visité week-end qui se passe là Doriska Kamisil qui accouché quatre timons dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs Incarnation yo dans la commune Taba. Première dame promet pour soutenir famille si là. Président République la Jovenel Moïse qui était gagné avec le ministre agriculture ressources naturelles et développement rural démissionnaire agronome Jobert en grand visité bloc plantation du riz dans Val la Tiboyenne dimanche 12 août passé. C'était l'occasion pour chef l'État assisté récolte du riz qu'a fait dans Valéa. Session extraordinaire examen baccalauréat a commencé lundi 13 d'août là pour bout 17 d'août qui a venu là. Hier lundi, il avait été composé dans philosophie et biologie. Voilà l'hôpital communautaire référentiel des filles qui gagnent pour bailler soin à quel travail qu'a fait pour répondre à quel besoin patient qui était qu'on a fréquenté centre médecin sans frontières. C'est point ça qui était mis en discussion à l'occasion 52e conférence lundi de la presse qui déroulait dans le ministère communication. Et c'est là tout, nous mettez bout à quel journal là. N'a pas souhaité tout le monde parce qu'ils ont très bon journée mardi. N'a pas cassé rendez-vous pour demain matin pour une nouvelle sortie téléjournal là et n'a pas vite. Arrêtez de brancher chez lui pour suivre la reste programmation.